J'ai envie d'être premier partout, c'est avec, comme je te dis, avec tout le respect que j'ai pour les autres, hein. Mais j'ai envie d'être que les gens ils m'acclament, les autres aussi, mais qu'ils m'acclament plus fort que les autres. Tu vois, c'est ça que j'ai envie. Ça va bien ? Ouais, toi ? Non, c'est pas ma victime, quoi, aujourd'hui. Ta victime ? Ils ne se connaissent pas et se découvrent ici, sur le circuit de Genk, en Belgique. Face à Eden Hazard, un autre virtuose belge, Jérôme D'Ambrosio, ancien champion du monde de karting et depuis quelques semaines, pilote essayeur en Formule 1. Autant dire du costaud, et pour corser le tout, la piste est bien humide. Allez, viens ! La tête dans le fond ! Ah, le bâtard ! Ça va ? Ouais, ça va, mais je pense qu'il triche. Pourquoi ? Il va trop vite. Ouais, il a un meilleur moteur que toi. T'as un meilleur moteur, c'est pour ça. Là, c'est bon. Ah, c'est pas mal, c'est pas facile. Sous la pluie, comme ça, une première fois. Allez, attaque, attaque. Et ici, intérieur. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je te jure, ça mute les mains, mon truc. Mais j'arrive pas à tourner, je te jure, des fois, on dirait le volant, il veut pas tourner. C'est pas comme le volant dans les voitures, tu vois. Moi, je pensais que c'était ça, moi. Une heure où Eden apprend que D'Ambrosio a une longueur d'avance en matière de conduite. 19 ans et 24 ans, 5 années et quelques secondes au tour séparent ces deux sportifs belges. Putain, j'ai presque gagné, hein. Bon, c'est mieux, mais t'as gagné. Pourquoi ? T'es passé devant, j'ai pas su te rattraper à temps. Eh ouais, mon gars. Dans 3 ans, je suis pilote de F1, je crois. La Formule 1, ce ne sera qu'un rêve. Eden Hazard, lui, c'est le football. Tout jeune, il n'a que quelques mètres à faire du domicile pour atteindre son jardin. Là, juste derrière, le terrain de foot de Braine-le-Comte, où il fait ses premiers dribbles en famille et marque ses premiers buts. Des parents qui vivent au rythme effréné des 4 garçons, dont 2 sont aujourd'hui professionnels. Dans cette famille, le football, ce n'est pas vraiment le fruit du hasard. Quand t'es petit, tu dis « Ouais, mon papa, il joue au foot ». Et ta mère, elle fait quoi ? Bah, joue au foot aussi, tu vois, ça fait un peu chelou quand même. Et surtout très rare, le père Thierry a fait donc une carrière plus qu'honorable en deuxième division belge, à la Louvière. Et forcément, c'est sur un terrain de foot qu'il fait la connaissance de sa femme Karine. Une attaquante qui côtoie, elle, la première division belge. C'est une passion qu'on avait, nous. On n'a pas du tout forcé les enfants à faire du foot, que du contraire. On les a ouverts à plein d'autres sports et à un certain moment, ils ont fait leur choix et évidemment, c'est le football qui est ressorti. Bonjour Saint-Nicolas. Mais est-ce qu'on joue au football dans la maison ? Non. Oh, pourtant, je lis que de temps en temps, il me semble qu'on tape sur un ballon dans la maison. Hein ? Ouais, mais tu ne peux pas dire. Et les carreaux là-bas ? Et les bibelots ? Et les bibelots de maman ? On va dire que c'était une obsession, mais c'était vraiment quelque chose chez lui qu'il fallait absolument qu'il fasse, c'était jouer au football. Tout le monde nous disait qu'il était doué, quoi. Mais bon, on dit qu'il joue dans des petits clubs, donc c'est peut-être facile de ressortir un peu du lot. On a accepté qu'il aille faire un test à Anderlecht, qui est quand même une des meilleures équipes de notre championnat. Et là, c'est vrai qu'on s'est aperçu que même là, il était un cran au-dessus, quoi. C'était les parents qui ne voulaient pas faire la route parce que c'était deux, trois entraînements semaine. Il fallait le prendre vite à l'école, aller le conduire à Anderlecht, attendre et ça, je voulais pas faire. Il était trop jeune. Il pouvait encore s'épanouir dans le club où il était, quoi. C'est pour ça que j'ai préféré rester encore à Tubize. Je pense qu'à 12 ans, je pouvais déjà aller à Anderlecht, tu vois. Mais après, ben, Lille est venu et le projet de Lille, entre guillemets, était plus intéressant pour l'enfant que le projet d'Anderlecht. La première fois que j'étais en contact avec lui, c'était même pas avec papa ou avec maman, c'était avec mon oncle. J'avais été à un entraînement avec un match même. J'avais joué contre des femmes avec l'équipe du Brabant.
comme si tu dis l'équipe du Nord Pas-de-Calais quoi, en Belgique, et on avait joué contre l'équipe nationale moins 17 des féminines. Mais nous on avait quoi, on avait 10 ans, enfin même pas 9 ans. Et je me rappelle qu'on avait perdu 5-0. Et c'est après ce match-là que j'ai vu la première fois un dirigeant de Lille me dire ouais, enfin on trouve bon, alors que tu vois, j'avais pas été spécial, on avait perdu 5-0 contre des femmes. Le gamin, on le connaissait, il était dans nos tablettes, mais 11 ans, vous imaginez bien qu'à 11 ans, Tubize, c'est proche de Bruxelles, c'est pas le bout du monde, mais c'est quand même une petite centaine de kilomètres à peine. Et on aller déloger un gamin de 11 ans, moi, personnellement, je trouve pas que ça soit très bien. Le fait de nous avoir laissé le temps d'abord, de ne pas nous avoir mis la pression, de vouloir attirer l'enfant tout de suite, de le laisser grandir dans son milieu familial. Et après, le projet à 14 ans et demi, il était vraiment établi sur quelques années. Et eux ne voyaient pas que le sportif. Ils voyaient aussi, il y avait tout un projet scolaire. En Belgique, il y a beaucoup de choses qui se disent. Ouais, les Français sont plus avancés, tu vois, au niveau formation, tout ça. Donc, automatiquement, tu as envie d'aller voir les infrastructures, les stades, tu vois. C'est beaucoup mieux qu'en Belgique, il faut dire ce qu'il y a. Je suis certain qu'il y a beaucoup de très bons éducateurs en Belgique, mais ils n'ont pas toujours les moyens de travailler comme nous, en France, on peut le faire. C'est vrai qu'on a été vite rassurés parce que bon, ça s'est super bien passé. Son intégration à Lille et quand il revenait, il était heureux. Donc nous, en le voyant épanoui, on s'est dit on a fait le bon choix, quoi. On a attendu quand même un petit temps et il est parti au bon moment, quoi. Il est un peu comme à la maison quand il revient sur ses pas pour nous faire découvrir la section formation du domaine de Luchin, le centre d'entraînement du LOSC. Ah, ça va, c'est propre, hein. Ah, comparé à ma chambre quand j'étais là, hein. Putain, c'est propre, hein. Donc voilà l'espace où j'ai vécu pendant 2 ans. Et là? Ah, viens voir. Bouger, il y a une photo de moi. Je suis là. Et là? Là et là. Et tout blanc, là. Et pourquoi les cagoules? Bah, parce qu'on venait du karting. J'ai terminé 2e, je crois. Dès que je suis arrivé ici, je savais que je pouvais y arriver, tu vois. Si je bossais normalement, si voilà, je faisais le minimum. C'est vrai que je pouvais, parce qu'il faut dire, les qualités, sans me vanter, tu vois, mais les qualités, je les avais, je savais que j'étais un bon joueur. Donc. Je vous donne ma parole que j'ai été vraiment touché, alors que l'expérience fait que je ne le suis pas toujours non plus, par cette espèce de conviction qui était la sienne et détermination à réussir au plus haut niveau. Ah, oh, bossez un peu là, oh. Bossez un peu, non? Hazard, qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà, là, c'est le terrain où j'ai appris mes gammes, quoi. Ils sont encore quelques-uns de ses copains à côtoyer la formation. Une visite de courtoisie pour se rappeler les bons moments et les plus laborieux en voyant un de ses éducateurs. Dur. C'est dur. Il en faut, hein, tu vois, pour nous apprendre le métier. Bah, il travaille surtout sur le mental. Ouais. Tu vois, c'est quelqu'un d'assez dur, tu vois. Quoi, il était dur avec Gueulet? Ouais, tu vois, ce qu'on faisait, c'était jamais bien, tu vois, mais pour qu'on se remette en question mentalement et tout. Mais bon, après, voilà, c'est son travail, lui, il s'en fout d'avoir du beau jeu, tu vois, il veut qu'on se remette tout le temps en question. Il veut qu'on réussisse, quoi, tu vois. Son objectif, lui, c'est qu'on passe pro. Ça servait plus à rien de le laisser avec les jeunes du centre de formation, parce qu'il voyait plus vite, parce qu'il agissait plus vite. Et il faisait des trucs qui ne correspondaient pas au niveau des autres. Donc là, on allait perdre notre temps. Donc on a pris le risque, entre guillemets, de le balancer chez les pros, ce que moi, je trouve un peu, que j'ai trouvé un peu audacieux, mais on n'avait plus le choix. Moi, quand il m'a téléphoné, papa, je suis pris demain, je vais avec les pros, je me dis, tu rigoles, là, c'est une blague ou quoi? Ou, non, non, qui dit, je vais jouer. Bon, déjà, on dit, bah, faire le déplacement, c'est déjà pas mal. Et puis être sur le banc et puis rentrer, quoi. Tu dis, oula, c'est vrai que ça va vite, quoi. Au niveau de la qualité intrinsèque, j'ai eu des jeunes qui étaient aussi forts que lui. Mais par contre, dans cette qualité et dans cette capacité à aller vers le haut niveau, ouais, je pense que j'ai rarement vu ça. Mais ça, c'est mental. Il aime le jeu. Il aime voir des... Quand il est devant une télé, il aime voir les beaux gestes, il aime voir les grands joueurs, il aime voir le spectacle, il aime tout ce qui est nouveau, tout ce qui est créé, tout ce qui est les dribbles, les passes, les... Il va se délecter de tous ces moments-là. Avec la frappe ! Dépassement de jambe, la frappe, elle est bien jouée ! Et le but, Hazard, il a fait la différence ! Frappe Hazard ! Et ça se...
avec ce redoublement de passe, vous le savez, c'est magnifique. Et ensuite, Hazard, il va y aller seul peut-être. Hazard, le contre favorable. Le festival offensif du Lillois continue. Il va au bout. Il est incroyable, ce garçon. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de joueurs capables de dribbler. Et Eden fait partie de ces joueurs capables de faire la différence individuellement. Le gagnant est Eden Hazard. Deux saisons passées chez les professionnels et déjà le jeune Hazard collectionne les titres individuels. Le trophée UNFP du meilleur espoir pour la saison 2009-2010 est attribué à Eden Hazard. Deux saisons que la Ligue 1 en fait son meilleur espoir. Deux titres qui à deux reprises lui ont valu les louanges de son idole. Vous êtes un observateur attentif de la Ligue 1. Vous avez déjà repéré des joueurs que vous avez envie d'amener du côté du Real Madrid dans le championnat de France. Et là, il y a le petit jeune Hazard là. Quand je le vois dire ça, tout d'un coup j'ai eu un frisson, tu vois. Et je vois que si personne ne me regardait. Et tu vois, j'étais content, tu vois, j'étais fier, mais ça fait bizarre un peu, parce que tu dis, ouais, Zidane, le plus grand joueur du monde, enfin, pour moi, le plus grand joueur, l'un des plus grands joueurs, tu vois, il parle de toi, voilà. Quand vous jouez comme quelqu'un qui a pratiquement 5 ou 6 ans d'expérience, moi, ça m'impressionne. Comment ça, Zidane, il me connaît? J'étais quand même très fier que Zidane dise ça de lui, il s'est un peu raconté dans le vestiaire, mais après, je pense qu'il est assez lucide pour voir qu'il a encore beaucoup de chemin à accomplir. C'est vrai que quand on entend Zidane dire ça de son gamin, bon, on ne peut pas dire que ça ne me fait pas plaisir, mais d'un autre côté, ça met peut-être un peu la pression et on se dit qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Ça m'a pas mis de pression, mais tu te dis, ouais, tu vas être peut-être un peu plus regardé qu'avant. Il a montré depuis 2 ou 3 saisons, il enchaîne les matchs, il joue maintenant en équipe de Belgique. Moi, oui, là, il y a des références. Une référence en devenir aussi chez les Diables Rouges. Eden Hazard y a fait toutes ses classes chez les jeunes jusqu'à sa première sélection chez Léa en mars 2008. Le sélectionneur Georges Dickens et son adjoint Marc Wilmots, ancien joueur des Girondins, disposent d'une génération dorée mais encore un peu timide sur l'échelle internationale. En Belgique, on fait du jeune talentueux Hazard le nouveau Enzo Schifo. Hazard, Hazard, oh, on donne ça. Un jour a envie de porter le moyen de son pays, que ce soit pour l'équipe de France, l'équipe d'Espagne, nous c'est la Belgique, donc voilà, on est un petit pays, mais bon, ça fait toujours plaisir de porter le maillot. Quand on a un joueur de cette qualité-là, on a toujours l'impression qu'il peut apporter le plus, que c'est lui qui peut faire la différence. Mais évidemment, il ne peut pas la faire seul. En Belgique, on a un peu tendance à, quand on a un tel talent, qui est quand même assez rare chez nous, de vouloir lui demander le maximum tout de suite. Ce qui est évidemment impossible à son âge. Il ne va pas tenir l'équipe nationale belge à bout de bras à l'âge qu'il a. 8 ans. 8 ans que la Belgique n'a pas goûté à une compétition internationale. Aujourd'hui, elle se met à rêver avec ses jeunes diables. Ce soir à Bruxelles, Eden Hazard n'a pas été décisif et la Belgique s'incline à 0 face aux Allemands. En 16 matchs avec les Diables, Hazard n'a toujours pas marqué. Pas d'affolement chez le sélectionneur, mais attention, sans travail, le talent ne suffit plus. Il a la vitesse. Il a en principe, il a la physique, s'il veut. Il a l'intelligence, s'il veut. Maintenant, il y a un chemin à faire. Hein. C'est le Mont Ventoux. Et le dernier kilomètre... C'est le plus dur. Je veux qu'il réussisse une grande carrière. C'est ce qui me ferait le plus plaisir et qu'il fasse des matchs pour nous en équipe nationale. Mais le talent ne suffit pas. Et on a tellement en Belgique parlé de talent, que je vois finalement que ben on s'installe, on croit que ça y est, on croit qu'on est tranquille. Non, le football, c'est pas ça. Le football, c'est un éternel recommencement, c'est une remise en question perpétuelle et un travail quotidien à faire. Il a une énorme qualité, mais qui peut être un défaut, c'est qu'il est surdoué. Donc les surdoués, c'est comme à l'école, quand à un moment donné, il a le sentiment d'avoir peut-être atteint, il peut rentrer dans de la suffisance. Comme à l'entraînement? Oui, par exemple. Coéquipier ou coach, tout le monde est unanime. Eden Hazard n'est pas un monstre de travail en semaine. C'est un peu en galère technique. Hein. Ouais, j'ai pas envie de me faire mal au pied. À l'inverse des autres talents de son âge, Eden est conscient de ça et le reconnaît ouvertement. C'est une force sans aucun doute, mais cette facilité plutôt désinvolte n'est pas simple à gérer pour ses entraîneurs. Il y a
Yes. 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 Je suis dans l'entraînement un peu en retard, tu vois comment je suis. J'arrive sur le terrain, mes lacets ils sont pas faits, pas de protège, alors qu'il faut des protèges tout le temps, tu vois, c'est des trucs qui m'énervent ça. Il va falloir maintenant qu'il apprenne le métier de professionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se remettre en question et travailler à l'entraînement. Et pour l'instant, ce que j'ai vu à l'entraînement de l'équipe nationale belge, j'en ai discuté avec lui, et j'ai dit, mon petit, si tu continues comme ça, jamais ça ira. Ils vont me dire tous pareil, que je foutais rien à l'entraînement, mais j'estime que quand moi j'étais, tu vois, t'es... ça sert pas à grand chose à l'entraînement. Le danger avec ce genre de perles, entre guillemets, c'est de se dire, il faut le brosser dans le sens du poil, il faut surtout pas le fâcher, parce que sinon il va pas donner le meilleur de soi-même. Et je pense que c'est, on fait fausse route si c'est comme ça. Pas croire que tu connais tout déjà à 19 ans. Oublie ça. Bien regarder, bien écouter. Ça, c'est le plus important et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est Jean-Michel Van Damme qui me disait ça il y a l'année dernière, ou il y a 2 ans. Que ton problème, Eden, c'est que t'as jamais connu l'échec, tu vois. Tu vois ce qu'il veut dire? Et c'est vrai un peu, parce que tu vois, jamais j'étais dans le trou, et donc jamais j'ai dû faire l'effort pour... Et vraiment, quand je serai vraiment dans le trou, quand j'aurai vraiment pris un coup derrière la tête, peut-être je vais me dire, ouais, maintenant il faut que tu bosses, et voilà. En fait, je me contente de ce que je sais faire. Pour lui, c'est le jeu le plus important. Bon, c'est déjà pas un joueur d'entraînement. Bon, je suppose qu'il fait le minimum, parce que bon, sinon, il jouerait pas, quoi. L'entraîneur ne serait probablement pas content. Mais ce sera jamais un joueur d'entraînement. Pour lui, il lui faut des supporters, il lui faut une ambiance, il lui faut beaucoup de monde. Et plus il a la pression, j'ai l'impression que plus il joue bien. Vu l'âge qu'il a, il va aller dans un grand club et je pense qu'il faut qu'il y aille pour continuer à grandir, à avancer. Et j'aimerais bien voir ce que ça donne encore avec encore un peu plus d'entraînement, un peu plus de joueurs de grand talent au-dessus et qu'ils soient obligés d'être tout le temps attaqués. Je me dis, ça peut être dangereux quand même pour le foot. 6 mois après le début des travaux et pour la première fois, les joueurs lillois découvrent enfin les fondations de leur grand stade de 50 000 places. Elle est pour ce stade, hein ? Elle est magnifique, je pense que tu vas faire des bizarres là-dedans. J'espère, de tout cœur. Ils sont tous là autour de la maquette. Ils en rêvent tous, mais seront-ils encore là pour fouler cette pelouse ? Il est fréquent ? Juillet 2012. Le joyau Bell du LOSC, Eden Hazard, sera là en 2012 pour régaler le stade. On l'espère. Qui rentrera dans le grand stade ? Ben, franchement, on pourrait dire que Dieu l'entende. Un grand stade avec Eden Hazard dedans, c'est quand même mieux qu'un grand stade sans Eden Hazard. Pour pouvoir gagner, il faut des joueurs de qualité. Et pour pouvoir attirer du monde, il faut gagner et faire du spectacle. Eden, c'est le prototype de ça. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a des grosses qualités et qui fait du spectacle. Donc c'est des joueurs comme lui qu'il nous faut pour entrer dans le grand stade. Alors est-ce que ce sera lui ou un autre comme lui, ça je sais pas. Nous, très clairement, on souhaite que ce soit lui. Maintenant, je ne pourrais pas dire effectivement de façon sûre que Eden sera là dans l'entrée du stade. J'ai du mal à l'imaginer dans le grand stade. Je pense que 2 ans, c'est encore très loin et peut-être qu'il verra, mais si le club dans quelques années est vraiment très costaud et capable d'aller le rechercher, ouais. Il aurait pu partir l'été dernier, mais Eden Hazard est un joueur bien conseillé, bien entouré. Soucieux de ne pas brûler les étapes, à 19 ans, il a décidé de prolonger d'un an en LOSC. Une saison d'expérience où il s'agit de confirmer tous les espoirs portés en lui et peut-être de devenir enfin le meilleur joueur de Ligue 1 pour ensuite aller voir ailleurs. Pas sur le marché, on a eu de nombreuses approches, on a mis un chiffre très élevé, on a dit qu'à moins de 30 millions on ne discutait pas, ce qui en fait a permis de ne pas avoir à discuter. Dans ma tête c'était clair aussi, j'avais envie de rester encore, là cette année j'ai envie de rester, je vais te le dire, le Real il vient, il me propose des fous, je vais rester ici. Il est observé, épié par les émissaires des plus grands clubs d'Europe. Ils sont 5 à s'être déjà renseignés sur le phénomène, Chelsea a même fait une proposition mais jugée insuffisante. Un joueur de football comme Eden Hazard,
qui a un talent fou et cette capacité-là, qui a une mentalité extraordinaire, croyez-moi, ça a une valeur marchande extrêmement importante. J'ai envie d'aller en Allemagne pour les stades. J'ai envie d'aller en Espagne pour le jeu. J'ai envie d'aller en Angleterre pour tout ce qui est presse, tu vois, à côté du foot et tout. Et je veux te dire, j'ai envie d'aller en Turquie pour les stades en Fenerbahçe. Tu vois, j'ai envie d'aller en Fenerbahçe, c'est un truc. Ah, Fenerbahçe, j'ai kiffé quand j'ai joué là-bas. Attends. Je m'imagine très très mal Eden dans un club prestigieux en train de cirer le banc, quoi. Loin de chez nous, sans jouer, je dis, il pourra pas. Je le verrai bien à Arsenal. Arsenal, je pense que ça peut lui convenir. Le Barça, ouais. Dans un style de jeu où, comme le Barça, qui avec cette faculté de faire la différence en un contre un sur les côtés et de se servir du jeu collectif de l'ensemble, ça peut être aussi une tuerie. L'Espagne lui plaît, voilà, ça c'est certain, mais moi ce que je veux, c'est que le LOSC lui plaise et qu'il ait envie d'y rester le plus longtemps possible. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de club français qui a véritablement les moyens de pouvoir s'aligner sur la valeur de ce que peut être Eden Hazard. Et deuxièmement, nous, on n'a pas de volonté de vouloir le faire partir dans un concurrent qui est un concurrent français. Si je vais à Lyon, peut-être je vais super bien me plaire là-bas, tu vois. Mais c'est pas dans ton plan de carrière. Mais c'est pas dans... Non. Si tu dois quitter Lille, il faut que tu... Il faut que je parte à l'étranger. À l'étranger. Parce que maintenant, quand tu regardes Lille et Lyon, il n'y a pas beaucoup de différence quand même. Ouais, il y a le palmarès. Voilà, il y a le palmarès. Mais sur au niveau du jeu ou au niveau de... La Ligue des Champions. Il y a la Ligue des Champions. Mais regarde, l'année dernière, on les a tapés chez nous. On a fait 1-1 là-bas. Au niveau du jeu, on a quasiment... En France, on a quasiment le meilleur qualité du jeu, tu vois. Lyon a toujours une saveur particulière pour le jeune Hazard. En mars 2009, en 8e de finale de Coupe de France... Ce jour-là, il réalise la partition parfaite. Je me retrouve là, numéro 10 dans le dos, tu vois, je me dis, ah, c'est vrai, c'est bon jour là. Et c'est vrai que tout ce que j'ai fait, j'ai réussi contre lui. J'ai essayé une passe du dos. C'est pareil pour le but. Je reçois la balle, je tourne. En tournant, quand je me tourne, le ballon il se lève un peu pour pas que ça touche le pied de Makoun. Tu tires, tu mets peut-être Loris là, peut-être il a, tu vois. Je dis que tout est fait pour que tu fasses un gros match. Sur le dernier but, je sens que Fauvergue. Mais tu vois que la balle, elle fait des rebonds. Et Fauvergue, il la prend parfaitement, boum, but. Mais tu dis que trois quarts du temps, l'attaquant, il la prend, mais avec les rebonds, ça part au-dessus ou ça part, il rate, tu vois. Un match plein, une référence, un but et deux passes décisives pour Eden. Lille sort Lyon de la Coupe de France et se découvre un petit virtuose. Quand t'es dans un jour où tout réussit, tu peux tout faire. Parce que tu te dis, je sais pas, Dieu est là avec toi. En ce moment, on ne peut pas dire que Dieu soit du côté d'Eden. Et pourtant, un mois passé à ses côtés nous conforte dans l'idée qu'il y a bien quelque chose de magique en lui. À chacune de ses accélérations, il sème la panique, mais seulement par éclair. Il a besoin encore de constance, mais souvenez-vous, il n'a que 19 ans. Pourtant, il sait ce qu'il lui reste à faire pour franchir une ultime étape et changer de statut, passer de talent hors norme à crack incontestable. Dans le football, ce qui est important, c'est de rester au top niveau pendant tout un match. Donc c'est ça que je dois apprendre encore à travailler dans mon jeu. On va tout l'aider. Peut-être ce reportage va lui aider aussi. Il me connaît, on va tout faire. Mon adjoint, avec Wilmot, va tout faire. On va essayer, l'entraîneur de Lille, d'aider. Mais c'est lui-même qui va dire que ce sera ma carrière. Je pense qu'il faut aussi un match référence, parce que voilà, je l'ai pas encore trouvé cette année, mais une fois que j'aurai fait un gros match, après la saison sera lancée, donc je m'inquiète pas. Quoi ? Hein ? T'as fait un super match.